Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vienne Actu avec au programme notamment aujourd'hui deux informations dans les titres avec le salon Chic Éthique qui se tient à la salle des fêtes de Vienne de vendredi à dimanche, un salon éco-responsable organisé par le collectif Demain Ad Vienne. Également au sommaire de cette édition, quand le handicap rencontre l'emploi, c'est le Duo Day. Une personne de l'équipe du comptoir des criques de Pont-Évêque a participé ce jeudi à une journée de formation au restaurant Tête d'Oie de Lyon. Un mot d'agenda avec entre autres la nuit des musées européennes qui aura lieu ce week-end. Fort de son patrimoine, Vienne participe encore à l'événement. Plus de détails en fin de journal. Et puis bien sûr un mot de météo, un week-end qui s'annonce plutôt entre nuages et soleil. À Vienne, samedi matin, il fera 9 degrés, Saint-Jean-de-Bornay 8 degrés. L'après-midi, ça ne s'arrange pas, Vienne toujours entre nuages et soleil, mais les températures montent, il fera quasiment 20 degrés. Dimanche, le soleil sera en berne, puisqu'on ne le verra pas sur tout l'ensemble du territoire. Vivement la semaine prochaine, qui s'annonce malheureusement également entre nuages et grisailles. Retour à l'actualité, donc avec le salon Chic Éthique qui se tient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la salle des fêtes entre vendredi et dimanche. Comme son nom l'indique, ce salon éco-responsable fait la part belle à l'habillement éco-responsable et solidaire. Au programme sur les trois jours, un certain nombre de choses à détailler, effectivement, vide dressing, atelier de récup, défilé de mode ou encore des stands de créateurs. Caroline Hubert, qui est membre du collectif Demain Ad Vienne qui organise l'événement, va nous en dire un peu plus. On l'écoute. L'habillement, c'est le deuxième pollueur au monde. Donc, on a vraiment de quoi faire. Donc, le défilé de mode, ça fait 5 mois, en fait, qu'on travaille dessus. Et puis, il y a eu des ateliers dans les centres sociaux. Et là, on s'adresse vraiment à tout le monde. Aux jeunes, aux vieux, aux hommes, aux femmes. Et puis, à toutes les tranches sociales. Et voilà. C'était vraiment pour toucher le plus de monde possible et faire passer ce message qui est qu'on peut déjà commencer à être dans la transition. Deuxième titre évoqué tout à l'heure en titre, l'opération Duo Day. Cette journée nationale s'est déroulée ce jeudi un peu partout en France. L'idée est de placer des personnes en position de handicap avec des professionnels volontaires. Pardon. Une personne de l'équipe du comptoir des criques de Pont-Évêque a participé ce jeudi à une journée de formation au restaurant Tête d'Oie de Lyon. Objectif final, lutter contre les préjugés et favoriser l'inclusion. Autre sujet à traiter aujourd'hui, le 75e anniversaire de l'arrestation des résistants de Vienne et sa région. Cette cérémonie aura lieu le 25 mai à 10h au square de la Résistance et de la Déportation. À 9h, un premier dépôt de gerbes aura également lieu, place Muret et Tardy, en hommage aux résistants fusillés par les soldats allemands. Les deux événements seront bien sûr placés sous la présidence du maire de Vienne, Thierry Kovacs, et du conseil municipal. Changement de décor avec un peu de culture pour refermer cette édition avec pour commencer les préinscriptions pour le Conservatoire Musique et Danse de Vienne qui se dérouleront le 17 juin au 11 juillet. Cette année, celles-ci s'effectueront en ligne sur le site www.conservatoire.vienne.fr. Toujours en culture, la médiathèque du 30 organise en ce printemps notamment deux événements, spectacle de contes et jouons le jeu. Le spectacle de contes, tout d'abord, entre dans la programmation de la 32e édition du Festival Isérois des Arts et du Récit. Dans ce cadre, Pierre Delis se produira le mardi 21 mai à la bibliothèque de Malissol de 20h à 21h. Même pas vrai, c'est le titre de son œuvre, réunit contes, légendes et histoires contemporaines choisies pour leur saveur, leur sagesse et le ravissement qu'ils procurent. Un spectacle accessible dès l'âge de 6 ans. Pour en savoir plus, www.festival.art.com. Quant à jouons le jeu, il s'agit de partir à la découverte des jeux sous toutes leurs coutures et toutes les époques. Jeux de société, jeux en bois, jeux vidéo et game party sont au programme. Plus de précisions sur le site de la ville de Vienne, vienne.fr, rubrique culture. Place à présent à notre agenda culturel comme toutes les semaines avec tout d'abord Vienne qui participe encore une fois cette année à la Nuit européenne des musées qui se déroule samedi et dimanche. Les musées de Vienne retracent l'histoire de la ville du néolithique au XXe siècle. Des pièces exceptionnelles comme la frise du théâtre ou le trésor d'argent côtoient des témoignages émouvants de la vie des Viennois du XXe siècle. Bref, on partira à la découverte des richesses antiques de Vienne jusqu'à son histoire industrielle. Vous pourrez aussi assister à des concerts de piano ou encore des spectacles de danse. 5 sites ont été retenus cette année, le cloître Saint-André, le Bas, le musée Saint-Pierre, le musée des Beaux-Arts et d'archéologie, le musée de l'industrie textile et enfin le théâtre antique. La globalité du programme sur musée au pluriel-vienne.fr.
Le salon de l'auto à Saint-Clair-du-Rhône également, qui se déroule samedi et dimanche. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Il est possible, je le précise, d'essayer certains véhicules sur place. Enfin, dernière information, plutôt avant-dernière information, le Canimarche. Comme chaque année, le refuge de Gerbet à Chaunat organise son Canimarche dimanche entre 14h et 18h. À l'occasion de cette fête champêtre, il sera possible bien sûr de promener un chien, le vôtre ou celui d'un visiteur. Et pour terminer, un mot de musique avec un concert ce soir qui a lieu à l'Esplanade Saint-Vincent à partir de 20h30. C'est le groupe Diabolo Swing qui est né d'une rencontre entre trois musiciens passionnés de jazz manouche. Leur spectacle Le Voyage Manouche raconte en musique les multiples influences du style manouche. Bien évidemment, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, on vous le recommande. Il est temps justement de vous souhaiter un bon week-end à tous, une bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, à bientôt. Au revoir. Thank you.